Et bien bonjour à tous les amis, c'est Didio, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Skywars. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Skywars, pour le tout premier Skywars, s'il vous plaît, pour le tout premier challenge en Skywars. Donc on va aujourd'hui se faire le No Sprint Challenge, qui consiste à gagner une partie sans sprinter tout simplement. Donc comme vous allez pouvoir le voir dans mes contrôles, s'il vous plaît, si le jeu m'autorise, hein, j'ai plus de touche de sprint, c'est Delete. Voilà, donc c'est une touche totalement à droite de mon clavier, donc j'ai mis ça parce que j'avais pas réussi à la reset, à en pète aucune. Donc dans tous les cas, je vais pas l'utiliser, c'est ça que je veux vous dire. Donc je vais pas l'utiliser, donc je ne peux pas sprinter sur cette partie. Ça va être voilà, je ne peux pas sprinter ou courir, vous appelez ça comme vous voulez, mais dans tous les cas ça va être difficile de PVP, hein, parce que PVP sans la touche de sprint c'est hyper compliqué, et en plus je ne ferai pas de double Z puisque c'est le but du challenge, je vais pas courir, hein. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant j'ai encore jamais réussi, donc ça serait une première réussite si je pouvais réussir à gagner cette partie sans sprinter. Donc ça peut vous paraître simple, même évident en fait, hein, tout simplement de gagner une partie sans sprinter. Vous pouvez vous dire ouais bah ok, bah le mec il sprint pas, juste il va un peu moins vite, mais non, mais juste pour PVP, vraiment essayer de PVP sans le sprint, c'est vraiment hyper chaud, et plein de trucs deviennent compliqués, des trucs qui sont censés être faciles à la base. Donc on va essayer d'éviter un maximum de le PVP, tout simplement le player vs player. Ok, donc là il y a déjà quelqu'un, sachant que voilà, chaque PVP que je fais, chaque combat que je fais, c'est un risque de plus. Vous allez me dire, normal, quoi qu'il arrive, c'est toujours un risque de plus. Sauf que là, vraiment, c'est la seule manière qui fait que ce challenge est plus dur, c'est de gagner en PVP. Parce que sinon, c'est juste que je peux pas courir, que ça prend un peu plus de temps. Mais vraiment, pour tuer quelqu'un sans courir, c'est un peu plus chaud. Il faut que le gars soit un peu moins bon, etc. Donc on va vraiment essayer d'utiliser le saut de lave, les potions, plein de trucs comme ça. D'ailleurs, on va se mettre... le bonhomme de neige pendant qu'on y est. On a le kit, donc voilà, on est au mid, voilà, pourquoi pas. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore jamais réussi ce kit. Tu viens ou pas? Ok, donc lui il a un arc, nice pour lui. Bah écoute, cool pour toi, moi je viendrai pas mon gars. D'ailleurs on va faire, ok, j'ai pas de bloc. Là il y a de la TNT, je sais pas trop ce qui s'y passe. Pour l'instant il loupe ses flèches. Voilà, on va vraiment essayer de le faire à la défensive, puisque sincèrement, ouh, bonjour. Bonjour, oh, on a une potion de speed, on a une potion de speed. Ouais. Ouais, on a une potion de speed, on a une potion de speed. Non, 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 go, go, go. Yo, yo, y'a quoi. Ok, on se met ça là. On se met surtout ça là, voilà, merci beaucoup. Ok, là on est chaud, sincèrement, je pensais vraiment pas que je réussirais à tuer quelqu'un comme lui. La potion, on s'en fout de celle-ci. Des boots, voilà, l'underpearl, évidemment, c'est important. Le chestplate en diamant, c'est important. Le power 3, c'est important. On va se mettre ça là. On a du knockback, ouah, du knockback 10, ok, on a du knockback 10. Power 5, ok, power 5, knockback 10. Tueur de noob 1, donc sincèrement là on est vraiment bien. On va se prendre le fire résistance et je pense sincèrement qu'on a une chance de gagner cette partie. Surtout ce qui me fait reprendre espoir, c'est le non. Ok, non, on va se faire clean up, qu'est-ce que je fous là, évidemment. Ok, on va rester concentré, on va essayer de rester concentré. J'ai toujours mon snowman kit. On va essayer de rester concentré, on est plus que 3. Ok, on est plus que 3, ça serait bien que j'en tue un. J'ai encore le speed 2, ok, donc j'ai plus de speed 2 maintenant, on va lui lancer ça, je sais pas si ça va marcher. Non, j'ai failli me la reprendre, ok, je me la suis carrément repris sur moi-même. Ok, donc il y en a au moins, plus qu'un kill, on a enfin réussi ce challenge, c'est un truc de fou, plus qu'un kill. Ok, donc il reste 11 secondes, c'est parti, on va se faire ça, allez, 11 secondes, et on a réussi le premier challenge, vite, oh, ok, on a enfin réussi, donc sans courir, une nouvelle fois, on peut avoir vérifié dans les contrôles, hein, dans les sprints, voilà, c'est sprint, c'est delete, enfin, c'est tout à droite du clavier. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire chez vous pour voir un petit peu la difficulté du truc, n'hésitez pas à proposer, surtout des idées de challenge pour les premiers, hein, s'il te plaît, cours plus vite, des idées de challenge pour les premiers. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker 100% entre geeker. Tchuss, c'était Didileo.